When I have rencontred you, you was a jeune fille au pair. And I put a spell on you, and you roll a pell to me. Together we go partout. L'histoire du projet, c'est de voilà, c'est que il y a un mec qui s'appelle Renaud qui a fait des chansons absolument merveilleuses depuis la fin des années 70. Et il était de bon ton de dire à la nouvelle génération, il y a ce mec-là qui a compté dans les années 70-80. Et voilà, écoutez-le. Comme tout le monde, j'ai baigné dans mon enfance dans Renaud. J'ai nagé dans Renaud. Vous voyez, dans Renaud, c'est quelqu'un d'inspirant qui a écrit ses chansons un peu intemporelles quand même, avec toujours cette histoire un peu de rébellion à la française, quoi. Je suis une fan de Renaud depuis que je suis petite. C'est la première cassette que j'ai choisie, moi. C'est une forme de papa, comme Brassens a pu l'être. Quand je suis arrivée et qu'ils m'ont proposé de faire la bande à Renaud 2, de chanter La mère à Titi, j'ai été juste tellement contente parce que c'est un monument, c'est reprendre quelque chose de tellement connu et tellement personnel en même temps pour Renaud. Ça semble insurmontable et en fait c'est tellement enrichissant. C'est la première fois que je chantais, j'interprétais un morceau de Renaud. Je me suis retrouvé là en studio avec une super équipe et c'était pas de la tarte. Surtout quand c'est des monuments comme ça, il faut juste prendre le morceau tel qu'il est, prendre ce morceau-là, puis aussi essayer de s'éloigner. Je le connaissais pas, la Blanche, donc je l'ai écouté là pas mal de fois. Puis après, très vite, j'ai pris ma guitare et j'ai essayé de le faire moi, voilà. Je suis ravi du moment que j'ai passé, surtout autour de cette chanson, où c'est que j'ai mis mon flingue. Ça fait partie des titres que j'ai beaucoup écoutés, qui représentent bien le Renaud vénère aussi, que tout le monde aime. Ce côté un peu « je tape sur tout le monde », avec beaucoup d'ironie, beaucoup de recul, beaucoup de vérité. Au rez-de-chaussée, dans mon HLM, il y a une espèce de barbouze qui surveille les entrées, qui tire sur tout ce qui bouge. Ça représente aussi la joie vive d'un sale gosse, d'un enfant un peu insolent qui va dire ce qu'il faut pas quand il faut pas, qui va donner un grand coup de pied dans la fourmilière et qui va pas se gêner pour le faire. On m'a proposé Dans mon HLM et j'ai toujours adoré cette chanson, comme ça, cette vision comme ça très cinématographique d'un HLM, étage par étage, un peu finalement à la Johnny Cash, quoi. Renaud, c'est notre Johnny Cash national. Voilà, c'est vraiment chronique du quotidien, comme ça, très bluesy. Il y a ce plaisir de dire ces mots, parce qu'il a, derrière le sens qui est toujours très fort dans les chansons de Renaud, c'est quelqu'un à la fois qui raconte des histoires, qui a des propos, mais il y a aussi la musique des mots qui est toujours belle, parce qu'il a aussi cette maîtrise de l'écriture, des rimes. Je suis super heureuse de faire partie de cette bande. Chanter du Renaud, ça me rend vraiment très heureuse. Et se replonger dans ce répertoire-là, que ce soit celui de Renaud ou de Dylan ou d'autres, ça fait du bien. C'est reparti pour un deuxième tour. Tour gratuit. Same player, shoot again.